Bienvenue aux capsules Trucs et astuces de Schluter Systems. Lorsque vous installez la membrane d'étanchéité Schluter Curdy, deux options s'offrent à vous pour sceller les raccords entre deux feuilles adjacentes. C'est ce que nous vous présentons aujourd'hui. Nous assurons l'étanchéité des joints en réalisant un chevauchement sur une largeur de 2 pouces au moyen de ciment colle non modifié. Par exemple, deux feuilles de membrane Curdy peuvent se chevaucher de cette façon. Cette méthode permet d'effectuer du même coup la pose de la membrane et l'étanchéité du joint. On peut également placer les feuilles de membrane Curdy bout à bout et recouvrir le joint de bandes d'étanchéité Schluter Curdy Band. Comme les bandes Curdy Band sont deux fois plus minces que la membrane Curdy, on évite des joints trop épais. Nous montrons ici la méthode de pose par superposition de feuilles. Assurez-vous que la deuxième feuille de membrane Curdy chevauche la première sur au moins 2 pouces. Pour vous aider, vous pouvez faire une marque sur la première feuille indiquant la mesure de 2 pouces à partir du bord. Ici, nous démontrons la méthode de pose avec Curdy Band sur le joint. Une bande de 5 pouces est centrée sur le joint de façon à réaliser le chevauchement de 2 pouces de chaque côté en se donnant un certain jeu. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles la prochaine fois que vous utiliserez la membrane d'étanchéité Schluter Curdy. Merci de votre attention. Pour rester au courant de nos dernières vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.